Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous sommes à Ouagadougou, voilà, et donc nous avons fini les 2 jours de formation, et donc nous sommes venus ici à la place des Martyrs, là, donc montrer un tant soit peu voilà, les merveilles du Burkina. Tant soit peu, et puis bon, voilà, donner toujours l'actualité sur les crypto-monnaies. Nous profitons pour remercier l'organisateur principal, voilà, de cet événement de formation, alors qui est Monsieur Alassane, voilà, le leader Alassane, qui a fait montre de professionnalisme pour l'organisation aussi, voilà, de cette première édition, voilà, de la formation privée, voilà, mais nous sommes à notre troisième passage ici à Ouagadougou. Voilà, donc ce matin nous allons parler de Baby Doge. Voilà, Baby Doge qui fait toujours parler de lui, donnant l'actualité. Alors, tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Baby Doge Swap, alors, quand on fait du farming là-bas, ou bien du staking, alors il y a un délai qui est prescrit. Alors, il y a un montant qui est aussi donné aux différentes personnes aussi. Alors, Baby Doge, ce qu'il reçoit comme récompense, Baby Doge a fait voilà, un sondage demandant aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire avec voilà, les récompenses du farming? Alors, est-ce qu'il devrait brûler? Qu'est-ce qu'il devrait faire avec cela? Donc, la majorité des personnes ont voté oui, que Baby Doge devrait brûler voilà, ses jetons. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que 1,9 quadrillion voilà, de Baby Doge vont être ajoutés au burn manuel du 1er août prochain. Alors, pour augmenter cette quantité de burn, voilà, et ça sera fait sur la BSC, c'est-à-dire en BP20. Voilà ce qui a été décidé par Baby Doge. Donc, nous donnons cette information ici afin que voilà, la communauté soit informée de ce que Baby Doge entreprend de faire. Voilà, toujours dans le sens voilà, de chercher à réduire l'offre en circulation. Et c'est ce que la communauté demande. Alors, quand il y a ce genre d'événement, alors nous devons retracer ces informations. Alors, une autre information, cette fois-ci, il s'agit de Binance. Binance CZ, voilà, dit que voilà, depuis le lancement de Binance, il y a toujours eu des fêtes là-dessus. Alors, ces fêtes vont toujours continuer. Que lui-même, il a écrit un article, voilà, sur les fêtes il y a 6 ans de cela. Alors, l'article reste toujours d'actualité parce que les mêmes fêtes là reviennent toujours. Alors que donc, il va pas trop s'en préoccuper. Voilà, mais s'il y a des démentis à faire, il le fera. Concernant aussi Binance France, alors, le bilan des activités de Binance France a été fait. Alors, ces activités, Binance publie les audits voilà, comptables disant que voilà, du côté de la France, Binance est crédible. Binance aussi a fait des chiffres assez intéressants. 10 millions voilà, d'euros pour le chiffre d'affaires. Alors, c'est ce que Binance a fait. On va dire en 6 mois d'activité, avec 14 mois de dépenses selon les estimations qui ont été données. Alors, on va dire 6 mois de revenus. 14 mois de dépenses parce qu'ils n'avaient pas encore eu l'agrément. Alors, quand ils prennent en compte le moment où ils ont eu l'agrément, pendant que les revenus ont commencé à venir, alors ça date de 6 mois seulement. Pendant ce temps, ils étaient en train de dépenser et cela a duré pour 14 mois. Alors, ce qui montre que souvent, certains chiffres comptables peuvent paraître voilà, négatifs, mais dans le fond, Binance dit que voilà, les activités roulent bien. Voilà l'information qui a été donnée. Alors, quant à Binance.com, Binance dans sa généralité, alors c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars par an que Binance fait, avec un chiffre mensuel de 1 milliard, 68 millions, voilà, qui est voilà, en activité chaque mois sur Binance.com. Vous voyez la taille de cette plateforme d'échange, la première surtout au monde. Alors, nous encourageons toujours cette plateforme parce que c'est la meilleure au monde aujourd'hui. Alors, elle a résisté à la SEC américaine, le gendarme américain qui a tout fait pour pouvoir faire chuter cette plateforme. Alors, nous avons tout fait aussi pour rester derrière cette plateforme et nous continuons de rester derrière cette plateforme parce que Binance contribue à l'adoption des crypto-monnaies à travers le monde entier. Autre information, Breeze Token aussi.
Voilà, faire tout pour créer toujours des partenariats. Voilà, toujours participer. Faire participer, comment on appelle, la communauté, en fait, que la communauté se sent toujours, voilà, intéressée par cette pièce. Cette fois-ci, c'est deux personnes qui vont bénéficier d'un billet d'avion, voilà, grâce à un partenariat avec un autre partenaire. Alors, Brice va donner deux billets d'avion grâce à ce partenaire-là à deux utilisateurs, à deux détenteurs de Brice Token. Voilà les informations que vous devez, voilà, déjà capitaliser au niveau de Brice Token. Alors, tout ça, c'est intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Autre actualité, cette fois-ci un peu négative, il s'agit d'une plateforme décentralisée du nom de Konik Finance qui vient de se faire hacker avec plus de 1700 Ethereum qui ont été, voilà, dérobés par les hackers. On n'a pas trop d'informations pour le moment là-dessus, puisque le hack vient de se faire il n'y a pas très longtemps. Alors, le pool de liquidités où se trouvaient, voilà, les Ethers, c'est ce pool-là qui a été touché. Alors, 1700 Ethereum, voilà, se sont volatilisés, faisant plus de 3 millions, voilà, de dollars envolés comme ça. Alors, c'est pourquoi on parle toujours de sécurisation. Alors, si des plateformes qui font même souvent des audits, malgré cela, se font pirater, qui es-tu, toi et moi, pour ne pas chercher toujours à sécuriser nos acquis et de dire que, voilà, j'ai déjà fait une première formation, alors ça va. Et donc, en temps, cela date de plus de 6 mois, souvent même 1 an, même 2 ans. Alors, tu as toujours le même protocole de sécurité. Alors, il faut faire des mises à jour. Alors, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Et voilà, hier, avec la formation que nous avons faite au niveau, voilà, du Burkina ici. Alors, tous les participants ont constaté qu'il faut toujours faire des mises à jour parce que ceux qui sont venus, ils ont eu deux niveaux de formation, deux niveaux de mise à jour concernant la sécurité. Alors, ils ont constaté que s'ils étaient restés avec les anciennes informations, alors ils allaient être dépassés. Pourquoi? Parce que, alors, le premier niveau de sécurité est bon, mais elle a aussi des lacunes. Alors, ces lacunes ont été comblées par le deuxième niveau de sécurité qui a démontré que, voilà, il y a encore des failles encore au niveau du premier niveau de sécurité. Alors, je dis en même temps à tous ceux qui n'ont pas encore fait des formations, des mises à jour, rapidement de rentrer en contact pour ne pas se faire dérober les pièces, parce que le bull market qui est en train de venir, alors, risque d'être assez violent financièrement par là, mais en même temps, les hackers vont aussi se frotter les mains, parce que beaucoup risquent de voir leur compte vraiment envolé, parce que c'est en ce moment que le compte va commencer à grossir, et un matin, leurs comptes, voilà, sont dérobés. Alors, donc, il faut éviter cela. Donc, venez vous former pour pouvoir profiter des différentes mises à jour, afin de pouvoir vraiment protéger vos acquis. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, regardons un tant soit peu le panorama au niveau du Burkina ici. Alors, tout ça, c'est la place des martyrs. Alors, donc, c'est aussi en même temps un monument. Alors, pour, voilà, montrer aussi la résistance, voilà, de ceux qui ont fait le combat pour la liberté. En même temps, il faut le dire, Burkina est une zone, en tout cas, assez intéressante pour le tourisme. Donc, pour cela, nous aussi, nous venons là et nous montrons aussi les merveilles du Burkina, afin que ceux qui sont à l'extérieur, alors, puissent venir et découvrir vraiment le Burkina dans toute sa splendeur. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux, la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous, voilà, afin de pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation prochaine pour le Burkina, ça serait pratiquement dans 3 à 4 mois. Alors, la date vous sera donnée pour cette formation. Alors, concernant la Abidjan, la prochaine formation se tiendra le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill pour pouvoir profiter vraiment de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. C'est une formation spéciale pour la zone d'Abidjan. Alors, mobilisez-vous pour, parce que les places sont limitées cette fois-ci, parce que nous avons fait encore plus de social cette fois-ci encore pour réduire les tarifs. Donc, rapidement, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Josette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions pour la ville d'Abidjan. La formation concernant la ville de San Pedro,
Alors, la quatrième édition cette fois-ci, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, son acolyte Sango, se tiendra le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact rapidement pour vous inscrire afin de profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant MAN se tiendra le 25 et le 26 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions au niveau de MAN. Alors, quant à Benguru, alors la formation se tiendra le 22 et le 23 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau d'Abenguru. Donc, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.